Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Très grande nouvelle aujourd'hui pour les possesseurs de Voxi One. La toute nouvelle mise à jour vient de faire son apparition. La version... Version 2.0. Et avec cette version, beaucoup de choses vont changer. Il y aura une grosse vidéo faite sur toutes les nouveautés. Mais aujourd'hui, place au tout nouveau support du Voxi One avec le mode low, ce qui fait partie de la grosse nouveauté de cette version 2.0. On va tout de suite voir comment est constitué ce nouveau support OCR, une vraie machine à lire les amis. Vous n'allez pas du tout être déçus, vous allez pouvoir transporter votre support partout où vous allez et vous allez voir que numériser sera maintenant un jeu d'enfant. On va tout de suite faire le déballage ensemble de ce tout nouveau support de chez Voxi Web. Et ce support sera donc prévu pour le Voxi One. Donc on est sur une housse avec deux petites anses entièrement transportables. Très plat aussi. On a une toute petite poche sur le côté gauche. Une petite poche à scratch. Où à l'intérieur on va pouvoir mettre des clés USB. Donc cette petite housse est très sympa et protège parfaitement bien le support. On va tout de suite ouvrir et découvrir ensemble ce tout nouveau support. Donc ce support, déjà, on peut voir qu'il est ultra design. Déjà, on peut dire que ce support est très tendance, très high-tech. Il est fait donc de métal noir et de bois. Très fin et entièrement dépliable très rapidement. Le premier volet va donc servir de support à mettre sur le bureau. Et la deuxième partie dépliable, elle, va venir en suspension au-dessus pour pouvoir poser notre Voxi One. La deuxième plaque qui vient en suspension, c'est la partie qui est en bois. Sur le dessus, on va trouver une petite pastille de métal, car derrière votre Voxi One, vous avez une petite plaque aimantée qui va servir à venir aimanter notre Voxi One sur ce support. On a vraiment une très belle association moderne avec ce support et le Voxi One par-dessus. Vous partez par exemple en vacances, vous allez voir qu'on peut facilement donc replier la première partie du bois. On va replier la partie métallique. Et là, vous avez donc votre support entièrement transportable. Donc, on monte et on démonte en moins de 5 secondes. Notre support est mis. Voilà. Alors, tout en bas du support, on trouve une petite cale très astucieuse qui bascule, qui va servir à caler correctement notre feuille. Ce qui voudra dire que pour une personne non-voyante ou une personne très malvoyante, va pouvoir correctement positionner sa feuille. Grâce à cette cale, on est sûr d'avoir un très bon angle droit. Cette cale se bascule tout simplement dans l'intérieur du support. On est capable, les yeux fermés, d'aller donc mettre correctement notre feuille A4. Alors, l'avantage de faire l'acquisition de ce support, vous recevez par exemple un courrier, instantanément, vous positionnez votre feuille et vous avez pu voir ici d'une seule main, vous lancez le mode loop sur votre Voxi One, c'est parti. Loop. Loop allumé. Et là, instantanément, vous pouvez faire un scan ultra rapidement de votre courrier. Scan. OCR en cours. Document à l'envers. Deuxième partie. Avant d'envoyer les flacons, l'entreprise qui les fabrique a fait une étude de qualité sur la quantité de peinture qu'ils contiennent. Pour cela, elle a mesuré la hauteur de peinture dans les 120 flacons commandés par Mr. Roland. Le tableau statistique indique le nombre de flacons selon la hauteur de peinture. On considère que la répartition de l'effectif... Comme vous avez pu entendre, le document était à l'envers. Malgré tout, le Voxi One a fait le travail. L'avantage, c'est que grâce au support, vous avez donc une facilité de numérisation très rapide et très efficace.
Un des gros avantages aussi de faire l'acquisition de ce support, vous allez avoir un mode lot qui va s'activer dans votre Voxy One et vous allez pouvoir numériser des livres entiers. Et ça, c'est vraiment génial. Pour faire l'acquisition de ce support, vous allez pouvoir donc contacter tous les distributeurs qui distribuent le Voxy One sans problème. Comment activer le mode lot? Vous allez vous diriger sur la loupe. Une fois sur la loupe, vous allez poser deux doigts sur l'écran et les lever rapidement. Un mode lot. Vous allez arriver instantanément sur un mode lot que vous validez tout de suite. Champ texte, nom du document, vide. Tout de suite, on vous demande de nommer le document que vous allez réaliser. On va lui dire par exemple test YouTube Vision. Test YouTube Vision inséré. Comme d'habitude, la reconnaissance vocale est vraiment excellente. On peut descendre d'un cran. Liste, format, texte, OCR, dans un seul PDF. Ça devient très intéressant puisque au niveau du mode lot, vous allez pouvoir numériser sous différents formats. Soit en format texte dans un seul dossier. Liste, format, texte, OCR, dans un seul PDF. Donc on pourra choisir en format texte dans un seul PDF, c'est-à-dire qu'on aura la continuité des pages, sinon de texte OCR dans plusieurs fichiers TXT. Vous allez donc avoir la continuité des feuilles et vous allez pouvoir naviguer dans ces différentes pages que vous avez numérisées. C'est-à-dire que si vous avez numérisé jusqu'à 10 pages, vous allez avoir la possibilité de naviguer dans ces 10 pages comme bon vous semble. Et ça, c'est vraiment un des gros avantages. 3-4 images dans un seul PDF. Trois images dans plusieurs fichiers JPG. On pourra donc avoir simplement des images dans un fichier, un format JPEG. Ça aussi, c'est intéressant par rapport à des images que vous voulez, par exemple, imprimer, des tickets de caisse, des factures que vous voulez sauvegarder. Quatre images dans un seul PDF, non lisible sur Voxy One. Donc ici, on peut garder un seul fichier image dans un seul PDF qui ne sera pas compatible avec Voxy One. On va choisir le premier. PDF, un texte, liste, format, texte, OCR, dans un seul PDF. Et on part tout de suite en bas. Bouton, démarrer. Et on peut démarrer. Mode lot allumé. Présentez la première page, puis appuyez sur le bouton du milieu pour la capturer. Page 1 capturée. Présentez et capturez la page 2 ou appuyez sur le bouton de droite pour terminer. On va présenter une deuxième page et on peut lancer notre numérisation. Présenter et capturer la page 3 ou appuyer sur le bouton de droite pour terminer. Voilà, donc ici on va terminer avec le bouton droit. Le document a été sauvegardé dans le dossier loop du lecteur multimédia. Appuyez sur OK pour continuer. On valide sur OK. Allumé. On va sortir, on va aller dans application. Application. Mode application. 18h12, mercredi 7 octobre. Un aide visuel. Deux lecteurs multimédia. On va aller dans lecteur multimédia. Un loop. On va rentrer dans le dossier loop. Un dossier mode lot. Et on va rentrer dans le dossier mode lot. Un test vision.pdf. Ici, on cherche notre fichier. 5 tests YouTube vision.pdf. Et voilà notre fichier ici. Test YouTube vision.pdf. Deuxième partie. Avant d'envoyer les flacons, contiennent. Pour cela, elle a mesuré la hauteur de peinture. L'avantage de faire l'acquisition de ce support, c'est que cette fois-ci, vous avez une machine à lire prêt à l'emploi simplement avec votre smartphone. Et ça, c'est vraiment énorme, puisque grâce à ce support, vous aurez d'énormes facilités à numériser vos courriers en une seule page. Vous allez pouvoir activer l'option mode lot en faisant l'acquisition du support, ce qui vous permettra de numériser des livres complets. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Surtout donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si vous voulez faire l'acquisition de ce support, contactez votre vendeur le plus proche. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous.